Bonjour Patrick, c'est un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Eh bien, bonjour Germain, c'est plaisir partagé. Je suis très content d'être avec vous pour cet événement. Oui, bah cet événement 2022. Peut-être qu'on peut commencer l'interview par quelques mots sur Sidoki, une petite présentation de la société. Alors, Sudokis, c'est une vieille société. Aujourd'hui, on fait 20 ans cette semaine, donc ça fait 20 ans qu'on a créé la société avec David. Et là, aujourd'hui, donc on est un partenaire exclusivement orienté sur Odoo, puisqu'on a fait le choix de ne faire que de l'Odoo et ce qui va être satellite à Odoo. Et donc, nos agences sont essentiellement dans le sud-ouest de la France, donc autour de Toulouse, Bordeaux, Montpellier et aux Antilles, en Guadeloupe précisément. Ok, donc on a parlé de la zone géographique que vous visez. Est-ce que vous visez aussi un secteur particulier? Peut-être que vous avez une verticalisation pour une industrie? Alors notre spécialité chez Sudokis, c'est grosso modo ce qu'on appelle le légal. Donc on est très impliqué sur la comptabilité et la finance. Donc on est très content des évolutions d'Odoo V16. Donc nous-mêmes, nous étendons, pour nos grands comptes, nous étendons les capacités d'Odoo pour répondre à leurs besoins. On a une autre particularité, c'est aussi donc on édite une solution de paye. Donc on est les seuls en France avec toute la déclaration légale et tout ça. Donc ça s'appelle la DSN en France, c'est assez compliqué. Et donc, à ce titre, on intervient aussi beaucoup dans le périmètre RH, en fait. Donc après, sur le déploiement d'Odoo, bon, on est généraliste, on répond dans tout le scope d'Odoo qui reste vaste aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup de clients dans le retail, dans beaucoup d'e-commerçants et des sociétés de services. Voilà, en gros, ce sont nos domaines. Ok, très bien. Et pourquoi est-ce que tu dirais que les clients choisissent Sudoki en tant que partenaire? Pourquoi les clients choisissent Sudokis? Bon, Est-ce déjà, que on c'est par rapport à la est. proximité géographique? Est-ce que c'est par rapport aux analyses, aux supports que vous Non, moi fournissez? j'ai l'impression que c'est plutôt une compétence métier qu'ils viennent chercher, notamment beaucoup autour de la compta et des finances. Mais après, bon, nous sommes des vieux partenaires. Aujourd'hui, on est partenaire d'Odoo depuis l'époque de Tiny ERP, donc on ne doit pas être nombreux encore en France. Et donc je sais pas. Alors bon, quand on voit Sudokis aujourd'hui et ce que c'était à l'époque, on a en fait la société a grandi beaucoup avec Odoo, hein, puisque à l'époque il s'agissait de développer du sur-mesure à chaque fois. Donc on était des vendeurs de code. Aujourd'hui, Odoo permet de belles implémentations en standard. Donc du coup, on est beaucoup plus consultant dans la conduite du changement et tout ça. Donc on grandit avec Odoo. Hein. Donc les Très bien. clients viennent nous chercher, je sais pas pourquoi, il faudrait leur demander. Mais ça me paraît intéressant ce que tu dis, Patrick, parce que ça montre aussi que la méthodologie de Sudoki a su évoluer avec la méthodologie de Odoo par rapport au challenge du client et ainsi de suite. Et peut-être tu peux nous expliquer comment se passe une implémentation avec Sudoki. Qu'est-ce qui se passe avant la vente? Est-ce qu'il y a des analyses? Et qu'est-ce qui se passe après l'implémentation? Quel genre de support est-ce que vous fournissez à vos clients? Oui, tout à fait. Donc, bon, on a des méthodes assez classiques, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les équipes d'Odoo. Donc, on s'est beaucoup inspiré de tous les guides que vous nous fournissez et les explications. Donc, merci pour tout ça. Bon, on a deux méthodes, les petits dossiers standards. Donc, là, on vend des packs régie. Donc, là, c'est de l'accompagnement, comme vous faites, vous, avec vos ventes directes. Hein. Et après, les projets classiques, oui, bien entendu, il y a une préétude. Cette préétude, l'idée, c'est de voir l'adéquation entre le client, Odoo et nous. En fait, il faut que le triptyque soit compatible. Donc, c'est très très important de ne pas mal s'engager, parce qu'une fois qu'un dossier ERP est engagé, il y a quand même des grandes responsabilités, puisque quand on tient la compta, les finances, les RH d'une boîte, on ne peut pas se tromper. Donc, il y a cette analyse, la compréhension du périmètre pour vérifier si on est compétent. En général, Odoo est quand même une réponse pragmatique, donc en général, le problème ne vient pas d'Odoo. Et donc après, donc la phase d'après, une fois qu'on a fait cette pré-analyse, dans l'idéal, on essaie d'organiser des formations assez courtes, mais qui permettent de former le client sur le standard Odoo pour qu'il comprenne bien, surtout la philosophie, pour arriver vraiment à l'imprégner d'Odoo, à ce qu'il pense Odoo, pour qu'après l'étude elle-même soit de qualité. C'est-à-dire comme ça, on a des interlocuteurs qui arrivent à penser Odoo et tout ça, parce que tout l'objectif de l'étude, c'est d'essayer de comprendre les besoins du client et les process, et au maximum de le faire rentrer dans le standard, en lui expliquant que plus c'est standard, moins il y a de dettes techniques, moins ça va coûter cher et plus simplifie la vie, et d'arriver à mettre le focus que sur ce qui amène beaucoup de valeur.
Et là, là où il y a de la valeur, bien entendu, notre métier reste de répondre en spécifique. Là, on va mettre beaucoup d'énergie, mais sur vraiment ce qui apporte de la valeur. Et donc c'est vraiment inspiré de vos méthodes. Donc du coup, nous, on est très axé process, c'est-à-dire qu'on va aller très loin dans la modélisation des processus pour arriver à un résultat quasi mathématique où ça devient un super cahier des charges sur lequel on va venir après à réaliser à la fin du projet les tests d'acceptance. Donc qui se basent sur ces processus qui peuvent évoluer au cours du projet, mais qui sont vraiment qui font partie intégrale après du contrat. Et donc à la fin de l'étude, on présente aux clients les différentes alternatives. Et l'objectif, c'est qu'ils s'approprient le projet et qu'ils comprennent que ce soit lui qui décide du budget, en fait. Soit il rentre dans le rang et il prend l'existant au doux, soit il estime qu'il y a beaucoup de valeur à faire du spécifique et c'est lui qui choisit. Donc du coup, c'est parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les clients qui, dès l'avant-vente, nous demandent combien va coûter le projet. On n'en sait rien et on explique que c'est lui qui va choisir à la fin. Et donc après, la fin d'étude, l'objectif très important, c'est aussi de définir un phasing d'un projet, puisque un ERP, on ne l'installe pas en 2 mois dans toute la société. On aime bien que ce soit phasé, puisque l'équipe initiale a été formée, donc on va faire une étude de qualité. Mais après, il faut distiller au doux au sein de toute la société, et donc faire un accompagnement au changement, lever les freins, parce que souvent, on va avoir accès à des managers qui oublient d'interroger les utilisateurs finaux. Et donc, toute l'idée, c'est de l'implémenter en douceur pour arriver après au succès. Parce qu'une implémentation réussie, c'est des projets à venir. Donc pour l'entreprise et pour nous, bien entendu, parce qu'Odoo, le périmètre est vaste. Enfin, c'est un très beau cheval de Troie, hein, donc, mais c'est un cheval de Troie pour des clients consentants, quoi. Ok, et tu parles de clients ici. Peut-être que tu as 2-3 noms de clients que tu as, des belles références que Sudoki a. Oui, donc on a j'espère qu'ils ne vont pas tous entendre parce que je ne peux pas tous les citer, mais on a un client très fidèle qui est notamment Monsieur Vigan du groupe des Chalets. Donc le groupe des Chalets, c'est un office HLM sur Toulouse. Donc c'est une très très belle référence qui nous fait confiance depuis la V9 d'Odoo. Donc là, ils viennent de signer une migration V16, donc avec une grosse connotation comptabilité. Donc le client est très content des évolutions. On a dans le domaine industriel, on a le groupe Aero, la société FPV, qui sont des très gros fabricants de menuiserie. Je peux vraiment pas tous les citer, mais voilà, ce sont quelques noms. Deux références Odoo qui suivent Odoo tous les deux, suivent Odoo depuis la V9, et là on entamé tous les deux une migration V16 par exemple. Ok, très bien. Avec fidélité. Et parlons un peu de la communauté Odoo. Est-ce que Sudoki, vous avez des bons contacts avec la communauté, que ce soit les autres partenaires en France potentiellement, ou peut-être l'OCA? Oui, alors on essaye de cultiver ces bonnes relations. Alors, pour être honnête, on a plutôt tendance à discuter avec les vieux partenaires, puisque le nombre d'entre eux sont encore là. Donc, on a des relations différentes. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, puisque le travail du marketing Odoo fait qu'il y a beaucoup de partenaires. Mais l'idée, oui, on essaye de se fédérer. Il y a d'ailleurs des discussions en cours, parce que c'est important d'échanger entre partenaires. Odoo marche bien, il y a beaucoup de clients. On est vraiment des confrères, et au contraire, on a tout intérêt à être capable, selon nos domaines de compétences, de plutôt s'entendre sur les dossiers et quitte à se confier les dossiers les uns les autres. On a été un peu actifs au sein de l'OCA, mais aujourd'hui, on l'est moins par manque de temps, un peu par fainéantise. Et puis quand on veut suivre la stratégie d'Odoo, vous allez très vite. Donc, c'est très, très compliqué, de prendre de l'inertie avec l'OCA. Mais l'OCA fournit un travail de qualité, des modules de qualité. Bon, nous, chez Sudokis, on est exclusivement orienté version entreprise. On ne fait pas de communautaire. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on est un petit peu négligent, donc on va essayer de redresser la barre, mais on est très content des collaborations avec OCA, notamment il y a Alexis Delattre de chez Accrétion qui publie de très nombreux modules de qualité sur le périmètre comptabilité et finance. Ok, ben c'est bien de voir la synergie entre les partenaires français qui s'entendent bien, qui collaborent, ça fait plaisir à voir peut-être. On sait que Sudoki a eu une grande croissance dans les dernières années. Quelle est un petit peu ta vision pour le futur de la société? Quel est le rythme de croisière par rapport à la croissance? Comment tu vois la boîte dans 5 ans?
Aujourd'hui, on a le problème numéro un, c'est pas de trouver des clients, c'est de trouver des ressources. Donc aujourd'hui, on a développé des petites astuces et des process pour réussir à recruter, intégrer. Donc la société est staffée. Donc aujourd'hui, on est effectivement en phase d'accélération. Bon. Après, vous avez changé la donne, hein, puisque vous orientez notre marché à moins de spécifiques et plus de standards. Et le rythme auquel vous avancez nous impose à limiter cette part de spécifiques. Donc, on va traiter plutôt des dossiers dans cette taille-là. Et donc, nous, dans l'objectif dans 5 ans, on va suivre la croissance d'Odoo. Hein. On est des purs players, on ne fait que de l'Odoo. On ne grandira pas aussi vite que vous, malheureusement, ou peut-être bien heureusement, parce qu'on ne sait pas si on aurait les épaules. Mais sur nos zones géographiques, on a des fortes demandes. Le staff est prêt, donc oui, on va faire en termes d'effectifs, on va faire x2 sous un an et demi. Donc aujourd'hui, on est 25 personnes, on sera une cinquantaine en fin d'année prochaine. Et dans 5 ans, je ne sais pas, mais j'espère qu'on devrait être une centaine de collaborateurs, ouais, tous orientés sur Odoo. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est de garder le rythme de cette croissance. Peut-être qu'on peut terminer en disant un petit mot sur l'événement ici, Odoo Experience 2022. Je crois que tu avais connu les anciennes Odoo Experience dans un autre lieu. Qu'est-ce que tu penses de l'édition de cette année? Ah oui, on a commencé les Odoo Experience dans la ferme, nous. non, très, très, très content, très, très heureux de retrouver Odoo, la communauté. C'est à chaque fois un événement réussi. Beaucoup moins d'aléas techniques cette année, donc vraiment vous vous améliorez d'année en année. Je suis content aussi de voir tous les nouveaux confrères. Non, c'est une super dynamique. Hier, on a passé une très belle soirée. J'ai cru comprendre que la soirée de ce soir allait être aussi exceptionnelle. Les talks sont de qualité. Les enregistrements permettent en plus de les digérer un peu plus tard et tout ça. Non, c'est sincèrement bravo et on a hâte de revenir l'année prochaine avec un stand, puisque cette année nous n'avons pas de stand, mais l'année prochaine l'événement nous plaît tellement qu'on va prendre un stand. Très bien, écoute, merci Patrick pour ton temps et ton témoignage. C'est un plaisir pour moi personnellement, mais aussi pour Odoo en tant qu'éditeur de collaborer avec toi. Eh bien, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites en fait, parce que ce qu'il y a de vrai, donc, dans une ancienne vie, on a été un partenaire d'autres éditeurs. Vous faites un peu de vente directe, c'est vrai, mais vous nous accompagnez quand même très bien. Et donc c'est vraiment un effort très, très apprécié, ça nous aide à nous structurer, donc merci à vous. Merci.